Bonjour à tous, bienvenue dans ma carrière manager avec le Borussia Dortmund. J'espère que vous allez tous bien, la famille également, ça c'est le principal. Donc ici nous allons entamer cet épisode par la Coupe d'Allemagne, les quarts de finale. Donc je vais vous montrer un petit peu en arrière, donc tous les clubs de la première division allemande ne jouent que le deuxième tour. Et comme vous pouvez constater, nous avons au premier match, bien sûr, on n'a pas été gâtés sur le tirage. Hein, nous devions nous déplacer au Bayern de Munich où nous avons remporté la victoire, enfin, nous avons remporté la qualification par un but à deux chez eux. Donc, déjà un gros qui est une grosse écurie qui est disqualifiée. Hein. Donc, au troisième tour. Nous avons rencontré au troisième tour chez nous, accueilli chez nous le club de Hoffenheim, où nous avons remporté ce match par 5 buts à 1 et qualifié pour les quarts de finale. Et au quart de finale, nous allons en déplacement à Fürth, une équipe qui vient juste de monter en Bundesliga 1. Et où là, nous allons faire tourner un petit peu notre équipe par rapport au championnat et aller chercher la qualification pour la demi-finale. Donc, comme vous pouvez voir, en quart de finale, il n'y a plus tellement de grosses écuries, à part Francfort, Leipzig et Wolfsburg. Toutes les autres sont des équipes moyennes, disons moyennes, parce que je vais dire, dans le championnat allemand, qu'il soit division 1, division 2 ou division 3, il y a quand même des très bonnes équipes. Donc, nous allons continuer la carrière, je vais dire, hein, avancer dans cette carrière. Voilà, j'ai trois messages. Bakou est prêté, Adli est prêté et Moukoko est vendu. Donc c'est impeccable. Ce sont des joueurs qui ont un manque de temps de jeu chez nous. Moukoko, ben, vu que je fais une carrière avec Kwaskal et qu'il est là, ben, j'ai préféré qu'il parte, malgré c'est un très bon élément. Je rachèterai un nouveau buteur à sa place. Puisque nous sommes dans la période de mercato, comme vous pouvez voir. Voilà. Le mercato est complètement ouvert jusqu'au 31 de ce mois-ci. Donc, il faut absolument qu'on fasse un transfert en cette période. Voilà. Nous allons avancer dans la saison. Ah, il y a quand même des buteurs prolifiques. Le Calvert-Lewin, c'est un peu trop. Nous allons aller voir un petit peu. Je vais essayer. Ici, c'est dans les prolifiques. Mmh.
Ouais, je vais rechercher. Je vais pas chercher en Allemagne, je vais chercher ailleurs. Voilà, en Autriche. Et je vais chercher à Buteur. Lui, je le prends pas, je l'ai déjà dans l'autre saison. Clause libératoire, 22 100 000. Ok. On continue. Voilà. Accueil, transfert. Bon, on va essayer d'acheter ce garçon-là. Non, 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 je... Non, non. Je ne paie pas la clause libératoire de 22 millions, hein. Et si c'est pas lui, ben ça sera un autre. Hein. Voilà, on se met 10 millions. J'accepte. Voilà. Nous allons les faire. Son transfert, nous accueillons son manager. Voilà, c'est un espoir. Accepté. 4 ans. Ok. On accepte. Voilà, on va essayer comme ça, on verra bien. Hein. Ok, allez. Voilà, le transfert de Okafor est fait. Nous allons lui donner son programme d'entraînement. Développement. Voilà, il est buteur. On va déjà le mettre complet, comme ça il aura déjà le mauvais pied.
je vais le mettre à la place de Alan. Adémi, lui, va jouer. Alan, je vais le mettre ici. Droitier, droitier, gaucher. Ouais. Voilà. C'est tout, ok. Je vais pas prendre deux coups puisque je l'ai déjà dans l'autre. On va essayer.
été. Hein. Voilà. Nous aurons un jeune international belge, Selemakers, pour finir la saison. Comme ça, je n'ai pas de trou dans mon truc, dans mon équipe, puisque il me manquait un ailier, il y a un ailier qui est parti, mais bon, je ne les rappelle pas. Lui, Emerkan, je vais. Voilà. Je vais le mettre au repos. Oh, je vais le mettre tout de suite. Je vais le garder à Ademi. Bellingham. Je vais mettre Koné à la place. Voilà, comme ça. Ils pourront jouer. Ok. Faut faire tourner de toute façon. Hein. Alors maintenant, je vais aller chercher Selemakers pour lui donner son programme d'entraînement. Au niveau transfert, voilà, nous avons acheté Okafor pour 10 600 000 au Red Bull Salzbourg. C'est le joueur qui va remplacer Moukoko et Selemakers qui vient nous renforcer puisque Bakou est parti à Villarreal en prêt, Adli en prêt à l'Ajax, donc c'est lui qui va les remplacer tous les deux et être la doublure de Ademi. Voilà, on continue la progression. Donc au niveau mercato, le mercato du BVB est terminé. Voilà, c'est les markers. Et Noah Okafor. Voilà, les deux. Ouais, allez. Voilà. On continue. Voilà, nous sommes dans les 10 dernières heures du mercato. Koulibaly est arrivé à Manchester United.
les deux dernières heures. ça c'est niet, hein. Pas exagéré non plus, hein. Voilà, la dernière heure du mercato. Comme ça, le mercato est terminé. Voilà, rapport mensuel des jeunes. Voilà, la date de limite des transferts est terminée. Je vais aller voir mon rapport des jeunes. Oui. Je vais libérer. Voilà, il a descendu aussi. Là, ça reste. À mon jeune ailier. Bon, pour le restant, je vais libérer. Et lui aussi. Et lui, je vais le promouvoir en équipe première. Voilà. Je vais aller voir de suite. En équipe. Et lui donner un bon petit entraînement. Et il jouera de temps en temps. Belle perspective d'avenir, donc c'est déjà pas mal. AGMD. On va aller voir son développement. Il est droitier. Je vais le mettre. Ah ben il est déjà ailier gauche. Alors, je vais l'augmenter en pour qu'il soit au niveau d'attaque. Et il jouera de temps en temps. Allez, nous allons. Voilà, c'est un espoir. Voilà, nous allons aller jouer à Fürth. Comme vous pouvez voir, ben, ils jouent en 4-1-2-1-2. Allez, nous allons entamer la rencontre. Et essayer de nous qualifier pour les demi-finales. Constater, il pleut. Petit stade, bonne ambiance. Voilà, c'est les Makers qui va jouer son tout premier match avec le Borussia Dortmund en provenance de l'AC Milan.
Voilà la composition de l'équipe de Fürth. Voilà, donc je fais tourner un petit peu mon groupe. Quand vous voyez le banc, ben, c'est bien. C'est un banc que pas mal d'équipes aimeraient bien avoir. Et voilà, nous engageons la rencontre. Et déjà un coup franc, ça commence déjà. Les coups francs, de toute façon, je les mettrai jamais. Donc. Bien joué. Ouais, première faute sur Stanley Makers. Et voilà, carte rouge. Bah oui, hein, tu cherches. Vous cherchez depuis tantôt. C'est incroyable. Punaise. Et c'est pas les premières fautes que les autres équipes font. Hein. C'est incroyable. Je comprends pas comment est-ce qu'ils savent tacler comme ça. Je sais bien que j'aime bien de. Ah non, non. Allez les gars, hein. On joue à la baballe, ça ne va pas. Eh les gars, on se fait démonter là. Et...
Oh là là. Allez, on joue tout doucement et on tape le clou quand il faut. Hein. Ah, tu tues, on perd trop vite le ballon. Hein. Allez les gars, hein. Hey. Tchou, c'est pas possible. Ah ben on s'est bien dominé, hein. Enfin, faut dire que c'est pas mon équipe type, hein, mais bon, n'empêche, hein. Allez, vas-y, Reyna. Allez, hein, qu'est-ce qui va s'empaler là sur un joueur? Et voilà le but. Bien joué au Cafor pour ton premier match. Bien joué les gars. Tué. Se faire dominer comme ça, c'est pas normal. Hein. Ma jeune recrue Okafor qui marque son premier but avec les nouvelles, avec ses nouvelles couleurs. Ouais, c'est pas mal les gars. Allez, on mène 1-0 malgré que nous sommes dominés un petit peu par l'équipe adverse. Mais bon, il faut dire aussi qu'ils ont envie aussi de passer, hein, la coupe. Ah, c'est Markers.
Bien joué, Goebbels. Ouais, c'est la mi-temps, 1-0. Malgré notre avantage, c'est pas terrible. Voilà, les coups francs. Les coups francs, j'en mettrai jamais un. Jamais. Si j'en mets un, je saute en l'air. Et la carte rouge. Encore heureux qu'il soit à 10. Hein. Cobble est quand même dans son jeu, hein, heureusement. C'est une passe de Selemakers en plus, donc mes deux petites recrues ont fait du bien. Allez les gars, on joue la deuxième mi-temps, il faut jouer mieux que ça. C'est bien, ça c'est bien joué, c'est une belle combinaison les gars. Non, reviens. Heureusement que lui il est là. Allez, vas-y, Reyna. Voilà, grand.
Incroyable. Je joue comme vraiment comme une clète aujourd'hui. Hein. Ah non, hein. Changer parce que oh là 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 là. Allez grand, vas-y, détache-toi de lui. Et voilà le deuxième. Tchou. Bien joué au Cafour. Ben ouais, tchou. Les deux mêmes joueurs. Pour le premier, aussi bien pour le premier que le deuxième but. Le gardien, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ses mains, c'est vrai, c'était vraiment une savonnette. Sur la tête, n'est pas puissante. Mais qu'est-ce que je joue mal pour le moment? Il faut dire que je joue en ultime aussi, hein, donc c'est pas la même chose. Hein.
remportons la victoire. Un petit 2-0 malgré le match pénible. Et oui, ce fut laborieux, mais il faut dire aussi que bon voilà, je fais un peu tourner mon effectif, c'est pas l'effectif en réel, puisque je fais jouer un peu les joueurs qui sont un manque de temps de jeu chez nous. Donc ça. Et puis bon, ça reste quand même la Coupe d'Allemagne. Et tout le monde a envie de se qualifier, d'aller le plus loin possible. Mais enfin bon, on est parvenu à gagner cette rencontre. Malgré un début très laborieux, même plus que laborieux. Mais bon, le but c'est de se qualifier, peu importe de la manière qu'on a. De toute façon, en football, c'est comme ça. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Mais bon, ils ont quand même eu... Ils nous ont dominé quand même une partie du match, mais bon, sans être efficace au niveau de la conclusion. Hein. On a été plus efficace qu'eux. On a eu deux occasions, je vais dire, entre guillemets, qu'on pouvait marquer et on les met. Donc... voilà, c'est la toute différence entre les deux équipes. Voilà, ça c'est le premier but de Kafor sur une passe de Selemakers. Et c'était le 0-1 à la mi-temps. Puis bon, il y a la tête ici de Koné qui aurait pu être meilleur, puisque le gardien a fait un réflexe phénoménal pour la mettre hors de son cadre. Et puis bon, il y a le centre de Selemakers au deuxième poteau. Et Okafor est là, il met une petite tête qui bat le gardien. Voilà. C'est la conclusion du match qui, pour moi, aurait pu être meilleur. Ouais. Nous allons voir le détail du match. Possession. Ben oui, on a 55-45, donc comme vous voyez, hein, on n'a pas que la possession du ballon. Un petit peu plus en deuxième mi-temps, mais sans plus. Au niveau des tirs, 5-3 pour nous. Donc 5 tirs et 3 cadrés, 12 tirs et 11 cadrés. Hein. Donc c'est la preuve qu'ils nous ont plus que bousculés. 149 à 135 pour eux et 147 à 133 pour nous au niveau des passes. Et en défense, 50-75. Ouais, bon, enfin, soit. On va aller voir les performances des joueurs. Voilà, c'est Kobol qui est élu le meilleur joueur sur le terrain, hein, avec un 10 sur 10. Okafor pour son premier match, 2 buts, 8,5 côté. Selemakers 7,7. Lehner et Onana 7,6. Zoule 7,1. Koné 6,9. Koulibaly 6,7. Nets 6,5. 6 plutôt, excusez-moi. Kamara 6,5. Reina également. De Donker et Bellingham et Haaland, ils sont rentrés à la fin du match et ils ont un 6. Donc, chez eux, c'est Lobetero qui est élu le meilleur joueur chez eux. Bon, on va aller à l'interview. Écoutez les trois questions à Wolfsburg 0-0. Ils gagnent 2-1. Nous, on est qualifiés pour les demi-finales.
l'Union de Berlin également, 1-4 à Rostock. Et les Leipzig gagnent à Francfort, 1-3. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ouais. Naturellement qu'on peut faire mieux, hein, ça c'est sûr. Ah nom de Dieu. Enfin, c'est vrai que j'ai très mal joué aussi. Ouais, je peux dire que c'était un match impressionnant, hein, il a... à son travail, il a deux ou trois ballons, s'il en met deux, ben c'est fantastique. Hein. Message, offre de transfert pour Koulibaly. C'est un peu tard, Gaston. Voilà, dotation de la compétition, 1 096 000 pour Koulibaly. C'est niet, ça part plus maintenant, même pour la saison prochaine, puisque je ne ferai qu'une saison, puisque on arrive tout doucement et bientôt dans le FIFA 23, donc je ne saurais pas aller aussi vite. Et puis de toute façon, je suis arrivé très tard dans le FIFA et aussi sur la chaîne, donc automatiquement. Voilà. Voir la revue de presse, Okafor autour d'un doublé lors du match Dortmund-Fürth. La révélation ADMI. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, d'accord. J'ai quand même un joueur qui est sélectionné, Habedic. Eh bébé, ça promet. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça a des mis, mais ça c'est pas grave. Ok. Donc comme vous pouvez voir, nous serons en demi-finale. Voilà, voilà les résultats des quarts de finale. Francfort-Leipzig 1-3, Rostock-Union de Berlin 1-4, Fürth-Borussia Dortmund 0-2 bien sûr, et Wolfsburg-Arma Bielefeld 2-1. Donc les demi-finales, c'est Wolfsburg-Union de Berlin et nous contre Leipzig. Ben oui, on nous gâte pas. Hein. Donc ces matchs-là se dérouleront certainement tard dans la saison. Ah ouais. Ça va se dérouler vers... Ah, la demi-finale, c'est au mois d'avril. Ouais. Ben ok. Voilà. C'est ici que l'épisode se termine. Je vais vous montrer donc les nouvelles recrues que nous avons fait. Donc Okafor qui vient du Salzbourg pour 10 600 000. Selemakers de l'AC Milan pour 21 900 000.
Nous avons vendu Moukoko pour 6,2 millions à l'Hertha Berlin. Bakou est parti en prêt à Villarreal. Adli est parti à l'Ajax en prêt. Zagadou est parti à l'Atalanta de Bergame pour 31 700 000. Voilà, Corpou est parti en prêt à I2N. Et nous avons acquis également Koné juste avant le mercato pour 20 millions de Mönchengladbach. Voilà. Bien sûr, bon, là il y a tous les clubs, mais bon, ça c'est pas tellement intéressant. Le plus intéressant, c'est mon club. Voilà. Ceci termine cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.